ce panneau de commande est équipé d'un bouton marche-arrêt de votre cellule, qui se trouve en haut à droite. En dessous, vous trouverez le bouton d'allumage de la pompe à eau. En dessous, vous trouverez un bouton de mise en route du frigo à compression. Sur la partie gauche de la commande, vous trouvez un bouton qui vous permettra de voir l'état de charge de la batterie cellule. En dessous, un bouton pour voir l'état de charge de la batterie moteur. Et enfin, le dernier bouton en bas à gauche pour voir l'état de charge de votre réserve d'eau propre. Le voyant situé au centre de la commande vous permettra de voir si votre véhicule est branché au 220.